Alors, je suis là, il fait tard pour ceux qui me suivent depuis les pays francophones, mais bon, pour ceux qui sont au Canada, je pense que c'est, ça va, Canada, États-Unis. Je vous dis bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Série de 4 vidéos que je vous avais promis pour annoncer cette toute deuxième saison de Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, changement de mindset, changement de système de pensée. On va essayer de revoir nos codes, nos habitudes, parce que je le dis et je le redis toujours que c'est notre système de pensée à nous les Noirs qui nous maintient captifs de la misère et de la pauvreté. Si nous changeons notre mentalité, vous allez voir que tout va suivre. C'est très bête et c'est même très idiot d'avoir toujours les mêmes comportements et de s'attendre à des résultats différents. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous avez compris? Prenez vos tabourets, partagez-moi cette vidéo avec la taguez-moi tous les hommes. Taguez-moi tous les hommes de la diaspora. Taguez-les-moi, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Ils m'ont tagué. Il y a 2 abonnés qui m'ont tagué depuis le Bénin et puis la Côte d'Ivoire. Que Ange! Moi, j'ai mon frère qui est là-bas, là. Sa femme l'a mise dehors. Il y a une autre là-bas qui parle. J'ai mon fils là-bas, une maman, en la Côte d'Ivoire. Sa femme l'a mise dehors. Vous, les femmes de Paris, là, vous êtes trop méchantes. C'est une maman, hein? Elle est en Afrique. C'est une de mes abonnées. Il faut parler de ça. Maman, c'est ça, j'en ai su à mon poste, là. Maman, toi-même, tu seras découragée. Parce qu'on ne t'a pas dit la vérité. C'est la vérité, là, moi, je vous dis. Moi, je suis Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre et tu vas respirer. Avec mon gros nez, là, je vous dis la vérité aujourd'hui. Prenez vos tabourets, c'est vous. Conan, ils ont mis mon fils dehors, il faut en parler. Moi, je vais en parler, il ne faut pas te fatiguer. Taguez-moi tous les hommes. Ils sont assis. Très bien, on est parti. J'ai dit. Pourquoi voudrez-vous qu'on vous gâche à la maison? À quoi vous servez? Non, attendez! Quand je suis arrivée ici en France en 2008, c'est la chose que j'ai appris. J'ai appris que les femmes mettaient leurs maris dehors. Et un jour, là, je discutais avec la marraine de ma fille. On prenait le bus. Je me rappelle bien de ce jour-là. On prenait le bus. On arrivait à Meaux, on partait chez elle, on était dans le bus, et puis on a abordé ce sujet-là. Je me rappelle très bien de ce jour. Et puis elle dit que oui, Ange, franchement, nous les femmes aussi de la diaspora, on exagère. Comme ça ton mari dehors. Et je lui ai dit, il dit, Maryse, écoute-moi très bien, une femme qui met son mari dehors, c'est que il paye pas le loyer, il paye pas facture. Ici à la diaspora, les dépenses, on a tellement de factures, on coule tellement sous le poids de factures que quand tu tombes sur un homme qui te soulage avec le loyer et puis facture, là, ne serait-ce que ça, hein, tu ne peux pas le mettre dehors. Même si en bas est mort. Même si sécurité a tué en bas, là, tu le prends, tu le mets à côté de toi. Parce que c'est un poids qui te décharge comme ça. Ici à la diaspora. Donc, maman, toi qui m'as dit que ton mari, sa femme, Baoulé l'a mis dehors ici en France, là, je vais t'expliquer ce qui se passe en France. Parce que tu ne sais pas. Ton enfant ne t'a pas dit la vérité. Alors ici à la diaspora, quand les hommes prennent bateau, quand ils prennent avion et puis ils viennent, ils ont leur plan. Et leur plan, c'est de venir, ils vont chercher une femme qui a les papiers, ou même qui a déjà au moins un enfant, 2 enfants, donc qui a ses papiers, qui a son logement. Et quand ils viennent, la femme a déjà son logement. Donc l'APL, tout le loyer passe sur le compte de la femme. Quand tu rencontres une femme, tu es un homme, la parole de Dieu dit que vous êtes des chefs. Donc, quand tu rencontres une femme, que vous soyez légalement marié ou en union libre, on s'en fiche. D'accord? On s'en fiche, c'est pas ça le débat. Mais tu es l'homme, reprends tes droits. Reprends au du moins tes devoirs, parce que tu es un chef. Reprends le loyer, reprends les factures, c'est ça, on dit, je suis garçon. Mais vous faites pas ça. Maman, les hommes de la diaspora, ils font pas ça. Ils sont une femme. Ils sont souvent même légalement mariés. Et puis le loyer et les factures continuent de passer sur le compte de la femme. Et puis lui, il rembourse. D'après lui, il rembourse. Remboursement, là, même quand on calcule là, c'est pas remboursement. Parce qu'ils ont leur plan. C'est des gigolos, c'est des entretenus ici. Eux là, les hommes de la diaspora là, tout ce qu'eux, ils veulent faire avec leur argent là,
c'est avoir les mains libres pour aller faire boucan dans les funérailles. On va chanter les noms dans le micro. Si, si, ça, c'est mes parents de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, là. Les guerriers et puis les bêtés, là. On va chanter les noms dans le micro. Ils vont donner 300 euros, 400 euros, les grosses sommes, et puis on chante leurs noms dans le micro. Ou bien pour porter les Gucci, les grosses marques, les Yves Saint Laurent, les Raf, les Polo Raf Lorraine, et puis défiler en Afrique. Voici ce à quoi leur argent doivent leur servir. Ils ont des enfants, ils ne s'en occupent pas. Ils ont une femme, ils s'en fichent. Ils ont des obligations, c'est pas leur problème. Eux, tout, c'est pour vivre leur vie comme s'ils étaient seuls. Et c'est les pauvres femmes, les gougandines là, de la diaspora, là, celles qui n'ont pas confiance en elles, là, qui pensent qu'elles sont venues ici à la diaspora pour entretenir ces bandes de nullards qu'elles appellent Marie. Ce n'est pas de votre faute, c'est parce que vous avez trouvé celle-là. Donc, c'est maintenant les femmes-là qui vont s'occuper d'eux. Et celles qui ont compris que ce n'est pas une vie. Elle est mère d'eux. Attends, tu rentres dans ma vie. On fait un enfant ensemble, deux enfants ensemble. On a des enfants. Il y a le loyer à payer. On a les factures. On a tout des choses à faire. Ici, là, on n'a pas l'argent pour prendre servante. Parce que nous-mêmes, on est servante. Si, si. Garde d'enfant, là, c'est servante. C'est parce que c'est un peu, on fait ça un peu joli. Vous avez compris? Donc, tu travailles, je travaille. Ils sont à la maison, là, ils font sécurité, les hommes, là, ou mais ils font livreur. En tout cas, ils ont des boulots qui leur permettent souvent, dans la semaine, d'avoir un jour ou deux jours de repos. Tu es à la maison, là, il faut t'occuper des devoirs des enfants. Il faut faire un peu le ménage. Tu peux au moins nettoyer les vitres, vider la poubelle, nettoyer le frigo. À quoi tu sers? Les hommes de la diaspora ne servent à rien. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les met dehors. C'est-à-dire, eux, ils rentrent dans nos vies. Et puis, ils sont devant la télé. Quand ils vont travailler, leur argent, c'est pour payer Ralph Lauren. C'est pour payer les Yves Saint Laurent, Gucci. Ils sont dans les maquis ici. On dit à maquis ici. Hein. À Paris, ici, on dit à maquis. Ils sont dans les bars. C'est eux qui ont les maîtresses. C'est eux qui font l'amour sur WhatsApp avec leurs copines en Afrique. Si, si. Mettez caméra sur vous. Vous, les femmes de la diaspora, là, mettez caméra cachée dans vos maisons. Vous allez voir ce que vous avez les maris, là. Ce qu'ils font. Avec leurs copines, leur véritable amour de l'Afrique. Vous pensez qu'ils sont amoureux de vous? Ils vous ont déjà dit, oh, les hommes de la diaspora, là, ils ne vous aiment pas. Ils sont avec vous par intérêt. C'est parce qu'ils ne sont pas encore quelqu'un. Quand ils réussissent, quand ils ont bien, ils ont leur cadre de 10 ans, ils ont leur bon CDI, vous les connaissez, non? Ils vous déposent. Vous connaissez la suite? Si, si. Donc, bref, celles qui ont compris, là, avant qu'on les dépose, elles-mêmes, elles les mettent dehors. Maman? Et là, je m'adresse à ceux qui sont en Afrique. Parce que vous ne savez pas, vous entendez, vous dites non, on est mauvaise. Les femmes de Paris sont mauvaises, les femmes de Londres, les femmes du Canada, États-Unis, vous n'êtes pas de bonnes femmes. Vous voilà, vous n'êtes pas des femmes soumises. On se soumet à un roi. On se soumet à un chef. Les hommes de la diaspora sont des chiffons. C'est des irresponsables, c'est des gigolos. C'est des hommes qui veulent se faire entretenir. Parce qu'eux, ils ont leurs plans. Ils se mettent avec les femmes pour vivre. Et puis, ils font leurs calculs. C'est quand ils sont avec les femmes, là, c'est là, eux, ils sont en train de construire leur maison en Afrique. Toi, tu vas les nourrir, tu vas les héberger, tu vas payer facture. Et puis, lui, il garde son argent pour en train de construire sa maison dans ton dos. Donc, celles qui s'en rendent compte à temps, là, elles les mettent dehors. On a des enfants ensemble. Les enfants doivent aller aux activités les mercredis. Jamais vous n'êtes là pour vos enfants. C'est la femme qui va lutter avec les activités des enfants. C'est moi qui vais accompagner l'enfant chez le pédiatre. Quand l'enfant fait des fièvres la nuit, monsieur met couette sur lui, il dort. C'est moi qui ai me réveillé la nuit, ramasser les vomis de l'enfant. Je quitte au travail, c'est moi qui ai venu faire à manger. Les enfants ne sont pas douchés, les devoirs ne sont pas faits. J'ai fini garde d'enfant, j'ai fini personne âgée, j'ai fini ménage. Je rentre, il est 21h, les enfants ne sont pas douchés. Les enfants ne sont pas en pyjama. Les enfants n'ont pas encore mangé. La maison est sale. Monsieur a réussi ses amis. Il a laissé le levier rempli, la cuisine est sale. Micro-ondes là même, tu ne peux pas regarder. J'ai rendu du boulot fatigué. C'est maintenant je vais aller doucher les enfants. Il y a des mamans ici à la diaspora qui font 2-3 jours sans laver leurs enfants. Eh, moi je ne mens pas, hein. Si quelqu'un dit je mens, vous allez voir. Parce qu'elles sont fatiguées. Les enfants là sont sales. Tu vois les petites filles de la diaspora là. Les petites filles africaines là, elles dégagent des odeurs. Parce que papa même est là, il ne s'en occupe pas. Jamais tu vas voir un homme noir ici à la diaspora prendre l'enfant, aller doucher son propre enfant. Vous êtes allergique à cette tâche ménagère-là. Ce sont tes enfants. Pourquoi tu ne peux pas les doucher tes enfants? Papa, tu es resté à la maison toute la journée.
Pourquoi tu peux pas prendre les enfants à 18h, les doucher et puis les mettre en pyjama, leur faire à manger, leur lire une histoire, les coucher? Les devoirs des enfants sont pas faits. Pourquoi? Pourquoi? Sortie d'école des enfants, c'est nous. Vous êtes toujours aux abonnés absents, mais à quoi tu sers? Au final, à quoi tu sers? Bon, tu n'as pas papier, tu n'as pas travail, mais il faut bien que tu serves à quelque chose. Si moi, je vais travailler pour payer le loyer et les factures et toutes les assurances et la nourriture, mais à quoi tu sers? Dis entre bon sang de merde, à quoi tu sers dans l'équation? Donc, toi, tu penses que tout ce qui même m'intéresse, c'est rouler rein. Ta jouissance, là, je fais rien à ça. Moi, je ne sais même pas à quoi vous servez dans l'équation. Les hommes de la diaspora ne servent à rien. Je vous ai prouvé par A plus B ici comment les mariages appauvrissaient les femmes de la diaspora. On ne va pas revenir encore dessus. Toutes nos mamans, là, ça fait 20 ans de mariage, elles sont ici à la diaspora. 25 ans, 40, allez voir leur vie. Ça fait pitié. Moi, je ne peux jamais épouser un immigré en France. Écoutez-moi très bien. Je vous le dis aujourd'hui. Vous avez entendu? Voilà. La Bible dit, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Les deux tomberaient dans le fossé. Ça, c'est Jésus lui-même dans Matthieu qui a dit ça. Jésus est aveugle. Je suis piéton. Il allait prendre plus misérable pour mettre dans ma vie. C'est pour créer quoi comme ça? On va créer des petites zones de misère quoi, dans nos vies. Des calculateurs invétérés. Des gens qui sont là, ils font leur programme dans ton dos. Lui, il travaille son argent, tu vois pas, tu vois jamais. C'est toujours lui qui va perdre un parent. Non, mon oncle est mort. Non, mon papa est ressuscité. Non, ma grand-mère est ici. Non, ici. Non, ici. Et tu vas te taper les factures et te taper les enfants. Donc, au final, là, maman, comme tu m'as tagué, je te donne ta réponse. Vous pensez que nous, ici, là, on met les hommes dehors. On les met dehors parce qu'ils ne servent à rien. Moi, je ne peux pas prendre un homme dans ma vie. Et puis, la Bible dit dans le livre d'Ecclésias 4, allez vérifier, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Si, oh. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je vais vous lire le verset. Ecclésias 4, verset 9. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Tu as entendu? 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, les deux. Donc, monsieur doit travailler, madame doit travailler. Les deux retirent un bon salaire de leur travail. Quand on est deux, on est plus fort. On est censé être plus fort à deux. Je suis seul, j'arrive à épargner 50 euros, 100 euros par mois. Un homme rentre dans ma vie, je n'arrive même pas à épargner le double. Ça, c'est un indicateur qu'il y a un démon qui est rentré dans ta vie. Si, je vous dis si. C'est un indicateur. Tu n'avais pas besoin d'aller voir un pasteur ou un imam. Non, 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 non. Il ne faut pas te fatiguer. Tu es seul. Tu arrives avec 20 euros, 15 euros, 50 euros sur ton livret développement durable ou bien le livret A de ta fille. Tu arrives à vivre de façon, ça va. Et puis, dès qu'un homme rentre dans ta vie, normalement, si on part sur la base de 2 valent mieux que 1, normalement, tu dois pouvoir épargner le double. Moi, je vais donner un conseil aux femmes de la diaspora. Quand vous finissez de visionner cette vidéo-là, à partir d'aujourd'hui, retenez ce que je vais dire là. Si tu vis avec un homme, d'accord, en union simple ou en union libre, je m'en fiche, à partir du moment où tu partages ton intimité avec un homme, vous êtes sous le même toit, que vous ayez ou non des enfants, je m'en fiche. Que tu n'arrives pas à épargner 300 $, 300 euros par mois, c'est un indicateur que tu es avec un monstre, un démon. Cet homme-là, il va détruire ta vie. Il faut le déposer dans la paix du Seigneur. C'est ma chaîne. C'est ma page. Si vous voulez désabonner. Maman, on va les mettre dehors. Parce que vous ne servez à rien. Les enfants sont malades, on ne te voit pas. L'enfant doit quitter l'école. Tu n'es jamais là. Tu douches, vous ne douchez pas les enfants. Vous ne servez à rien dans la famille. Là. Les enfants, jamais tu n'emmènes les enfants au parc. Il faut sortir un peu les enfants. Jamais les enfants tu les emmènes à la bibliothèque. Une sortie sur Paris, une sortie ici, une sortie là-bas. Toi, tu es toujours sapé, plaqué, ni dans les funérailles, les soirées. Tu es toujours au pays en train de défiler en deux avions en Afrique. Louis Vuitton, Gucci, tu vis comme un imbécile. On va vous jeter dehors.
Celles qui sont avec vous là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Celles qui sont avec vous et puis elles disent j'ai Marie là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Sinon, si c'est moi, Ange Prisca là, je vais créer une association. Association des femmes qui jettent leur mari dehors. Bon, ça. Bon, vidéo numéro 4, j'ai pas trop me fâcher parce que là, ça commence à monter. J'ai chaud. Je vais commencer à y aller prendre un peu d'air. Et puis on se dit à demain. Demain là. Ouf. Non, ça c'est pas bon. Pour demain là même, je pouvais me taire.